Samedi 16 avril 2022, deuxième jour de la troisième convention régionale du Sud Comoé, l'édition 2022. Convention qui a pour thème posséder l'héritage par la foi en Jésus-Christ. Nous te bénissons pour ta présence. Te bénissons pour le déplacement pour assister à cette convention. Depuis hier, nous sommes en train d'être enseignés sur le thème par le leader national, le pasteur Boniface Mbenier. Il a introduit le thème en deux dimensions, en cinq volets. Ce jour, ce thème sera déplié dans toute sa longueur. Que Dieu te bénisse. Tu as prié pour toi-même. Que Dieu soit avec toi. Que tu aies une bonne écoute. Que tu sois attentif. Chasse la distraction. Chasse l'assoupissement, chasse le sommeil, que tu sois éveillé, fort, robuste, pour tenir jusqu'à 17h. Alléluia. Prie pour tes capacités physiques et spirituelles. Prie ensemble. Nous sommes venus devant ta face, ô Dieu, pour te prier. Aide-nous à garder, Seigneur, l'héritage que tu nous as donné sur cette terre. Aide à tous tes enfants, ô Père, ce grand héritage, ô Seigneur Jésus-Christ. La spiritualité, ô Seigneur, le matériel, ô Dieu, les grands efforts pour tous les ministères que nous devons rendre dans les églises, sur la terre. Père Saint, Père Juste, nous te supplions. Aide tes enfants, aide-nous à abandonner les péchés, ô Seigneur, les injustices, le mensonge, ô la critique, ô le mépris, tout ce qui est mauvais sur cette terre, que nous marchions dans la sainteté, ô Seigneur, que nous soyons consacrés, Seigneur, à toi, ô Père Saint, Père Juste, nous te supplions, bénis-nous avec cette capacité divine. Bénis-nous. Tu es l'unique qui peut nous bénir, Seigneur Jésus. Tu es le seul qui peut nous garder devant ta face, ô Dieu. Parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Mais à cause de ta bonté, à cause de ta grâce, Seigneur, tu nous as gardés. Merci infiniment. Et aide-nous à garder ce grand héritage, afin que soyons un jour, le dernier jour, nous soyons devant ton trône pour te louer, pour t'adorer. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, accorde-nous la capacité de travailler chacun à son niveau sur la sanctification. Seigneur, je prie que la sanctification soit une vie de tout un chacun, que tout le monde à la CMCI, un frère, un dirigeant, n'importe qui, Seigneur, que nous travaillons à nous sanctifier, Seigneur, dans nos églises de maison, dans nos assemblées, sur nos champs de mission. Seigneur, je supplie ta grâce. Que tu nous accordes de travailler à ce que nous soyons sanctifiés pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous possédons notre héritage par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus,
nous possédons. Nous possédons notre héritage par la foi, Jésus. Nous possédons. Nous possédons notre héritage par la foi, Jésus. L'héritage pour les rachetés et pour ceux qui ont reçu Jésus. Ils se sauvent, partis de leurs péchés, et qui marchent dans la sainteté. Dieu a dit, ne jubile pas la foi, par la foi, Abba quitte sa patrie, afin de recevoir en héritage le pays que Dieu lui avait promis. Nous possédons, nous possédons notre héritage, notre héritage par la foi en Jésus. Oui, nous possédons, oui, nous possédons, c'est vrai, notre héritage par la foi en Jésus. C'est par la foi que nous sommes sauvés, c'est par la foi que nous sommes pardonnés, c'est par la foi que nous sommes justifiés, par la foi nous sommes sanctifiés, puis nous possédons, nous possédons notre héritage par la foi. Oui, nous possédons, oui, nous possédons notre héritage par la foi en Jésus. C'est par la foi que nous sommes délivrés de tous nos péchés. C'est par la foi que nous sommes guéris. Par les maîtrises de Jésus, oui, nous possédons, nous possédons, nous possédons, par héritage, par la foi en Jésus. Oh, nous possédons, nous possédons, par héritage, par la foi en Jésus. Héritage. Le salut est notre héritage. La délivrance, la vie éternelle, la santé, la richesse, nous les possédons par la foi. La délivrance, c'est notre héritage. Oh, le salut, c'est notre héritage. Santé, c'est notre héritage. La santé, c'est notre héritage. Oh, c'est pourquoi nous les possédons. Oh, le mariage, c'est notre héritage. Le pardon, c'est notre héritage. La vie éternelle. Nous la possédons. Oh oui, nous possédons. Oui, nous possédons. Nous possédons. Notre héritage par la foi en Jésus. Oh oui, nous possédons. Nous possédons. Nous possédons. Notre héritage par la foi en Jésus. Oh oui, nous possédons. Nous possédons. Nous possédons.
Jésus. Veux-tu être sauvé? Aujourd'hui, tu as l'occasion d'écouter l'évangile de Jésus. Sa main salutaire t'est tendue. Veux-tu accepter cette main ou refuser? Veux-tu opter pour la vie éternelle ou pour l'enfer éternel? Que le Seigneur nous bénisse. Sauvé, sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur Jésus, l'unique solution? Veux-tu être sauvé, de tes péchés pardonnés avec le Seigneur? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? Sauvé. Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur Jésus? Jésus. Une solution. Veux-tu être sauvé? Veux-tu être sauvé? De tes péchés pardonnés. Celui qui donne la paix. Trop longtemps tu as souffert, esclave du péché. Pourtant tu le sais bien, le péché c'est la mort. Et passé te hante jour et nuit. Tu as peur de l'avenir à cause de tes péchés. Pourtant tu le sais bien, le péché c'est la mort. Et souffrance éternelle. Veux-tu, veux-tu être sauvé? Sauvé. Sinon tu vas périr. Veux-tu le Seigneur Jésus? Jésus. Une solution. Veux-tu
aujourd'hui, mon cher ami. Si tu viens à Jésus, tu seras totalement transformé. Il a ses bras grands ouverts pour t'accueillir, pour te donner le salut, pour te donner la vraie vie. Il est temps maintenant de donner ta vie à Jésus. Perdu, oh mon cher ami, sur la croix Jésus a dit, j'ai tout accompli, mes bras sont grands ouverts, mon salut est gratuit. Transformé et tu seras heureux, sauvé et tu seras béni avec le Seigneur Jésus, ta vie sera belle et sera belle et tu seras sauvé. Béni avec le Seigneur Jésus, ta vie sera belle et tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés avec le Seigneur Jésus, ta vie sera belle et tu seras heureux. Cher ami, sur la croix, Jésus a dit, j'ai tout accompli, mes bras sont grands ouverts, mon salut est gratuit, si tu veux te repentir, tu seras transformé. Avec le Seigneur Jésus, ta vie sera belle et tu seras sauvé, tes péchés seront pardonnés. Avec le Seigneur Jésus, ta vie sera belle et tu seras heureux. Avec le Seigneur Jésus, Jésus, la vie.
travers avec le Seigneur. Jésus, ta vie sera belle et sera belle. Avec le Seigneur, Jésus, ta vie sera belle. Oh, et sera belle. Avec le Seigneur, Jésus, ta vie sera belle. Alléluia. Je vais faire une chose nouvelle. Je sais que beaucoup ne le savent pas. Et je veux que tu le saches. Hier, j'étais resté là-bas et j'avais annoncé l'homme de Dieu. Mais je ne sais pas si je vais appeler ça, ce que je vais faire maintenant, une déformation professionnelle. Mais je voulais dire que je suis le serviteur de cet homme. Et je ne me sens pas digne de l'attendre en haut là-bas. Donc je vais vers lui pour l'accompagner comme je le fais habituellement. Alléluia. Sur vos acclamations, nous allons donc accompagner le pasteur Meunier. Acclamation à Jésus. Mais bon, mais ça nous ouvre, mais bon, Jésus. La parole de Dieu sera lue dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Réjouis-nous, les bacs gaio, Genèse 4 à nous. Il était plus mignon. Et nous, comme on va faire du sens. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Hier, nous avons vu que Dieu donne un héritage à ceux qui croient en Jésus. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la promesse de la vie éternelle. Il s'agit de l'héritage avec les saints dans le royaume de Dieu. Dieu a un royaume. Les saints, les enfants de Dieu vont vivre avec Dieu dans ce royaume. Ils auront des postes et des positions. Ils auront des demeures. Ils auront des trônes. Ils vont régner. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, où il n'y a pas de mort.
il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas d'infirmité. On vit éternellement. La mort a disparu. Le ciel et la terre sont renouvelés, sont nouveaux. Il n'y a pas de soleil pour éclairer, il n'y a pas de lune. La gloire de Dieu brille. Dieu récompense les saints. Il est sur les larmes. Ils sont avec lui pour l'éternité. Tous les saints seront comme des anges. Pas de tribulation, pas de souffrance. Nous serons avec le Seigneur Jésus tous les jours, afin que l'éternité est un jour infini. Au siècle des siècles. Il n'y a pas de poussière là-bas. C'est l'or. Dans la capitale qui sera appelée la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de temple. Pas de religion. Dieu est vécu en direct. Tu le contemples. On voit le nom des apôtres écrit sur les fondements. Les portes sont des perles. Pas les trucs en bois, hein. C'est des portes en plastique là-bas. C'est une porte est une grosse perle. Et dans nous en mode, mais que ici qu'à foufoué en encore soit n'en que baka nous en mort. On te dit entre ici, mais c'est ok. Ouloua, tu trembles, tu crois que c'est pour une autre personne. On dit c'est pour toi. Et au souvent, mais c'est ok. Ouloua, boussou nous en audio. Acclamation à Jésus-Christ. Et voilà, Seigneur Maméniani. Dis, je proclame qu'il y a le royaume de Dieu. Et il y a la vie éternelle. Tu as ces deux choses-là. Parce que tu as cru en Jésus. Sans que allez Jésus et nous donne tout nous. C'est l'héritage. Ça commence ici. Et ça continue là-bas. Acclamation à Jésus-Christ. Voyez ça nous avant Jésus. Jésus a dit. Jésus, voyo. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je ne sais pas quel est ton problème. Jésus connaît ton problème. Jésus aussi va faire. Mais il dit. Mon fils, ma fille, moi bien sûr, je connais ton problème. Mais si elle fait bon là, mais cherche premièrement le royaume de Dieu. Du moins qu'il n'a pas le domaine. Cherche la vie de Dieu, c'est-à-dire la justice de Dieu. Qu'il n'y a rien de moins. Il n'a plus ses sénés. Apprends à pardonner. Ce soir était fâché. Apprends à aimer. Ce soir est rouleau. C'est cette vie-là qu'on vit là-bas. Sans guani, yo a le don. Partage ton repas avec tes voisins. Et n'y a rien à dire, mon bien goubier. Ne te cache pas sous le lit.
pour manger seul. Ne vole pas le manioc de ton voisin. Dans son champ. Vis la vie de Dieu. Vis la vie qui te prépare à la gloire à venir. Ne commets pas l'adultère avec la femme de ton frère. Dans les villages, c'est ça qui règne là-bas. On arrache les femmes de leurs frères sans honte. Et toi, femme, on tire, celui-ci tire sur la jupe, l'autre te tire sur l'épaule. Tu es là comme tu attends seulement que le vainqueur prenne. Même si le vainqueur est une grenouille, c'est fini, il te prend. Femme. Tu vois comment on te tire. Même si le vainqueur est une abeille remplie de vin de palme, il te prend. Est-ce que c'est normal? Répondez. Vous voyez, c'est une vie qui fait honte. Cette vie-là, quand on vit comme le diable, on a honte. C'est un handicap, on s'en va. Il y a des femmes. Elles prennent leur argent. Mais elles s'en vont chercher les marabouts. Et dit, je veux que tu me laves. Pour que beaucoup de personnes couchent avec moi et me donnent l'argent. Tu t'es maudit. Toi-même, tu t'es maudit. Tu demandes qu'on te lave. Pour attirer tous les esprits de Comia et de Marie de nuit là sur toi. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de démons de Marie de nuit. Tu es parti les chercher. Lave-moi, oh marabout, lave-moi. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu. Dieu a commencé à révéler aux hommes quelle est la promesse qu'il a faite à l'humanité. Il a trouvé un homme appelé Abraham. Il dit à Abraham. Sors de ce pays. Laisse ta famille. Je vais t'utiliser. Je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles. C'est une promesse à cette dimension. Notons les sept dimensions. Je ferai de toi une grande nation. Deux, je te bénirai. Trois,
Je rendrai ton nom grand. Mama Odumani Kachipili. 4. Et 9. Tu seras une source de bénédiction. Et na so yoa ofioso menia ama beba nyanyina. Tu seras une source de bénédiction. Ofioso menia anyama beba nyanyina. 5. Et non so je bénirai ceux qui te béniront. Maye ira bon beko ye ira osomo. Je bénirai ceux qui te béniront. Menia mi amaye ira bon beko ye ira osomo. 6. Insianso. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. 7. Insoso. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la grande bénédiction, la grande promesse. Nira tete point. Nyamia nira tete point. Ya. Et si tu es un croyant, c'est et nyamia wa, cette promesse t'appartient. So nyira moko ti oti wadi. Si tu as donné ta vie à Jésus, c'est à fongwa nyama Jésus. Cette promesse est à toi. So jishelieni oti wadi. Et lis pour nous Romains 9 verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. Lis Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « et à ta postérité », c'est-à-dire à Christ. Amen. Galates 3, verset 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, on reconnaissait donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les familles, toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Ceux qui croient sont bénis avec qui? Bon, mais t'es dit. Ceux qui croient sont bénis avec qui? Avec Abraham. Bon, mais je proclame que je suis béni avec Abraham. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Si tu as cru en Jésus-Christ, la promesse t'appartient. Maintenant, nous allons relire les dimensions de ces promesses. Dit selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Genèse 12, verset 1 à 3. Dit Dieu me dit, je te bénirai. Dit je crois à cette parole. Même si tu n'avais jamais cru, tu vas croire aujourd'hui. Seigneur, les dédiés à Ebanyan dédiéné. Quand vous entendez que les gens sont bénis, voici la source. C'est moi qui ai mené à moi. Nyamia il avait soi Ebanyan. Pose tes mains sur la tête. Pour ça si utile. Je ferai de toi une grande nation. Est-ce que tu crois? Quand il parlait à Abraham, est-ce qu'Abraham avait les enfants? Il n'avait aucun enfant. Dis, je proclame que Dieu fera de moi une grande nation. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Est-ce que vous croyez là-bas derrière? Dieu me déclare, je te bénirai. Dis oui, 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 oui. La main du Seigneur est sur moi.
Sa bénédiction est sur moi. Si tu as cru au Seigneur Jésus, c'est déjà fait. Si tu n'as pas encore cru, on va te permettre de le faire aujourd'hui. C'est et le Jésus nous a dit l'illement. Enne, yeba mawati, mawoksu edi. Personne ne rentre maudit. Personne. Sur la fille, mon femme musué, on va faire yoa, on va faire yaoulo. Dieu me déclare. Je rendrai ton nom grand. Comment tu t'appelles? Mais frère, c'est. Oui. Les gens vont dire où est Hortense, où est-elle. Mais n'y a pas de souci. Moi, je suis Meunier Boniface. Amen. Mais frère, Meunier Boniface. On va dire où est-il? Après, quand ils vont me voir, ils vont dire Sois béni. Cette bénédiction va détruire la haine dans le cœur des hommes contre toi. Les gens vont te aimer, les gens vont te chercher. Les gens vont te donner des cadeaux. La chose noire qu'on a jetée sur ton visage tombe. Je rendrai ton nom grand. Il y a des gens. Ils arrivent quelque part. Quand on dit il est arrivé. Les gens ne regardent même pas. Ils disent, vous ne savez pas que je suis là. Regardez, je suis là. Les gens disent, laisse-nous. Tu es là, ça fait quoi? Après, une autre personne arrive. On dit, oh, monsieur Antoine Nidja. Où est-il? Il est venu. Alors que pour toi, ça fait quoi? On va aller. Pour lui. On dit, où est-il? Il faut que je le voie, j'entends son nom. Qu'est-ce qui fait la différence? La bénédiction d'Abraham. Abraham, qui est ton héritage? Dieu l'a déclaré. Qu'il rendra mon nom grand. Personne ne peut me maudire. Personne ne peut maudire mon nom. Personne ne peut utiliser mon nom pour pratiquer la sorcellerie. Dieu a béni mon nom. Personne ne peut me réduire à néant. Parce que mon nom est béni, mon nom est béni. Mon nom est béni, mon nom est béni. Tu seras une source de bénédiction. Dis, Dieu l'a déclaré. Que je suis une source de bénédiction. Dieu l'a déclaré. Dis, Satan, écoute, Dieu l'a déclaré. Personne ne peut me réduire à néant. Personne. Alléluia. Dis, Dieu l'a déclaré. Je bénirai ceux qui te béniront. Dis, alléluia. Si quelqu'un me bénit, il sera béni. Si quelqu'un me bénit, il sera béni. C'est écrit. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront.
Dieu l'a déclaré. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu va maudire tous ceux qui me maudissent. Si quelqu'un veut être béni, il suffit qu'il me bénisse. Il suffit qu'il me bénisse. Acclamation à Jésus-Christ. Oui, salut, maman, à Jésus. Et soyez concentrés. Non, mon que fille, je mon bon. La pluie ne peut pas nous arrêter. Elle est trop petite. Acclamation à Jésus-Christ. Dis Dieu l'a déclaré. Toutes les familles de la terre seront bénies à moi. Est-ce que tu crois ça? À ce que Dieu dit. Là où tu es assis dans la forêt du sud Komoué là, Dieu dit que les familles de la terre seront bénies par toi. Est-ce que tu crois ça? Amen. Moi je crois ça. Mesdames et messieurs, et puis ça s'est déjà accompli. Exemple. Adans y'a quoi ben? Qui connaît un pays où il y a la guerre? Moi, si membre est loin à toi. Ouais, on dit en Ukraine. Bon, maintenant, nous allons bénir l'Ukraine. Étant ici à Boisseau, tends ta main. Tingosane. Dis que la guerre s'arrête en Ukraine. Que la guerre s'arrête en Ukraine. On appelle ça quoi? Tu as fait comment? Tu as béni l'Ukraine, n'est-ce pas? Qui t'a donné ce pouvoir-là? C'est Dieu. Qui connaît un peuple où il est difficile de prêcher l'évangile? Dans ta main, dis que les portes s'ouvrent. Voilà comment tu deviens une source de bénédiction. Ça, c'est un exemple. Que personne ne te trompe. Tu n'es pas n'importe qui. Même si tu as des tribulations. Comme Abraham avait eu des tribulations. Est-ce que ça a annulé la promesse? Cette dimension te poursuivre partout. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu a créé une équation. Il a d'abord béni quelqu'un qui avait la foi. Après, il a décidé que si quelqu'un a la foi, il devient fils d'Abraham. Tout ce plan là, c'est pour que tu aies l'héritage. L'héritage, c'est quelque chose qu'on laisse aux générations. Quand on meurt, les bénédictions d'Abraham Abraham se déversent sur toi. Parce que tu as cru comme Abraham. Tu as cru. Abraham. Ce n'est pas que Dieu fait les combines. Il ne fait pas de favoritisme. On t'a prêché l'évangile. Tu as cru. Dieu a vu. Et le sang de son fils est sur toi. Romains 3, verset 21 à 25. L'homme dit, mais maintenant, sans la loi,
est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quoi avec qui était fouet? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné. Par son sang. À être pour ceux qui croiraient. Écoutez bien. Pour ceux qui vont croire. Victime propitiatoire. Afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience. Dieu a prévu que les pécheurs seront justifiés, sanctifiés, purifiés par le sang de Jésus. Dieu a prévu que les pécheurs vont obtenir la faveur de Dieu en obtenant l'expiation de leurs péchés. Dieu a prévu que ceux qui vont croire, Dieu ne trompe personne. On te parle, tu n'obéis pas. On te parle, tu n'obéis pas. Tu n'auras pas la promesse. Tu ne verras pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas justifié. Pourquoi? Parce que tous ont péché, tout le monde a péché. Et tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ne veut plus leur montrer sa gloire. Mais Dieu sait que dans le monde, il y a des gens qui pensent à lui. Ils sont dans le péché. Mais ils veulent quitter le péché. Il y a dans ce monde des gens qui sont dans le péché. Mais ils veulent abandonner le péché. Dieu les a vus. Ils sont dans le monde, mais ils veulent marcher avec Dieu. Ils sont dans le monde, mais ils veulent croire en Jésus. Ceux-là seront sauvés. Dieu va les sauver. Dieu va les purifier. Dieu va les sanctifier. Si tu es une femme, peut-être tu vis dans le mensonge ou dans l'adultère. Mais quand tu es seul, tu regrettes et tu veux que Dieu te délivre. Voici le jour. Et le Seigneur te dit, je t'exauce. Je vous dis la vérité. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la masturbation par exemple,
Tu as cherché la solution, tu l'as pas trouvé. Tu voulais arrêter, tu n'as pas pu. Regarde-moi très bien. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, ce péché est resté déjà derrière. Il ne sera plus mentionné dans ta vie. Parce que le Seigneur va te pardonner. Et il va te délivrer. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Et il va te délivrer. Nous étions au Cameroun. J'ai dirigé la prière. J'ai dit au nom de Jésus. Jésus, je juge tous les démons qui excitent les gens à commettre l'homosexualité. Quelqu'un est tombé. Le démon de l'homosexualité est parti. Délivré. Et il a pris la parole. Il a rendu témoignage. Sans cacher. Et dit que mon problème c'était l'homosexualité. Que dès que le pasteur a dit des mots d'homosexualité, même je suis tombé. Peut-être que pour toi va même s'enfuir sans te faire tomber. Il y a des gens qui peuvent déjà rendre témoignage qu'ils ont senti quelque chose remplir leur cœur, que l'amour de Dieu est en train de remplir leur cœur déjà. Ceux qui croiraient. Que personne ne te trompe, mon ami. On n'achète pas le salut. On n'achète pas les prières. Je veux prier pour toi. Mais je ne te demande aucun franc. Et tu seras béni. Mais si tu ne crois pas, tu viens avec ta malédiction et tu rentres avec malédiction. Parce qu'il n'y a pas de solution pour ceux qui ne croient pas. Les bénédictions de Dieu appartiennent à ceux qui croient en lui. Abraham a cru en lui. Abraham et Dieu l'a béni. Il y a des gens qui me diront, moi je crois aussi. Comment sauras-tu que tu crois? Écoute ça très bien. Jésus te dit, Jésus, je te délivre de l'adultère. Jésus dit, viens. Ne commets plus l'adultère. Est-ce que tu crois? Mais c'est maintenant concret. Il y a des gens qui commencent à dire dans l'air que c'est difficile. Tu crois que Dieu existe? Pourquoi ne veux-tu pas croire qu'il peut te délivrer de l'adultère? Tu crois que Dieu existe? Pourquoi ne crois-tu pas qu'il peut te délivrer du mensonge? Si tu crois, tu es béni. Si tu crois, tu es béni. Si tu crois, c'est déjà. Tu es béni. Il peut. Pourquoi? Et il veut. Il peut te délivrer. Et il veut te délivrer. Il peut te délivrer. Et il veut te délivrer. Tous ceux qui disent que c'est difficile sont des incrédules et ils ne seront jamais bénis. Bon, bonne nuit, c'est moi. Même si on est niamo, mais on y a bétilé.
Ceux qui croient sont les descendants d'Abraham. Ceux qui ne croient pas ne sont pas les descendants d'Abraham. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Lis pour nous Galates chapitre 4, versets 1 à 8. Galates yiti nani, et nous combattons Fadjou, Motesso. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. Il y a des choses qui peuvent t'empêcher de jouir de l'héritage. Si tu vis dans le péché, tu es déjà disqualifié. Tu n'auras jamais l'héritage. Tu es étranger. Les choses de Dieu ne te concernent pas. Lis Ephésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. C'est bon. Quand tu endurcis ton cœur, endurcir le cœur, c'est de refuser de répondre à l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle, tu ne dis rien, tu restes tranquille. Tu dis, je vais réfléchir. Et tu continues dans le péché. Les païens, Manu, ils sont dans l'ignorance. Manu, quand tu es ignorant, tu ne peux pas avoir l'héritage. La deuxième chose, quand tu demeures petit dans la foi, tu ne grandis pas. Il a dit que l'héritier qui demeure enfant n'est pas différent d'un esclave. S'il y a quelqu'un ici, que son père a laissé beaucoup de plantations, et il ne sait même pas, Les gens exploitent, ils vendent, ils ne savent même pas que c'est pour lui. Donc il va rester pauvre par ignorance. Il y a d'autres personnes. Ils
savent que c'est leur héritage. Mais ils ont 6 ans d'âge, 6 ans. Koso ese simba afonia biki bele afonsia. Un oncle prend. Son bien quoi joso o de so jani. Toi tu es petit hein, moi je suis c'est moi ton hein. 100 francs va manger les bonbons. Va acheter les bonbons, les biscuits tu... et puis il prend 5 millions et met dans la poche ici ça va. Et moi de bon en quand au bonbon dit. Ni et c'est quoi tu y a bien y a si il achète un petit vélo de peut-être 5 000. Afa ya to basket biamo. Il te donne et dit va ça c'est je t'aime beaucoup. Et moi pas m'clo de ahi. Et il vend le veille par le cacao 10 millions il met dans la poche. Ni otoni poye ni otoni coco ni millions mo kwatu ya si ça ya fia. Il lui achète une petite culotte avec deux poches derrière. Il dit que tu vois, tu es comme les policiers. Oto pieto, quand si bien au fond moi, que et où y a un zarfoué, y est le quoi. L'héritier est un enfant, donc on peut le tromper. A déjà dit foué, oti battement, ben quoi la car. Mais s'il grandit, na sonia. Il dit non, tonton, je ne veux pas le vélo. Et moi, tchèque. Basket, m'gène le basket. Il dit, tu veux quoi? Une maison? Il dit, même maison là, zéro, je veux tout. Et moi, je suis là, et moi, tchèque, m'en de m'y a déjà. C'est ça un homme qui a grandi. Et bien, ben, soin, il y a ni. On veut le tromper, il dit, non, tonton. Bec, il est d'accord, et moi, tchèque. Non. Si on dit, m'y a ti. Je veux tout. M'en de quoi ti? Je veux me marier. Je veux avoir des enfants. Non, je veux tout. Son oncle lui donne tout. Et le petit héritier entre dans son héritage. Tant que l'héritier est un petit enfant. Mais bon, c'est à gagner du point notre petit battement quand les autres vont gérer ses biens. Maintenant, n'attire, y a déjà, mais du nul de femme même. Il y a des gens qui sont encore possédés parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits en Jésus. Bien mon père, ouais tête moi t'as dit ben, au sens que Jésus nous n'est benzimant ben poursuit. Certains ne savent même pas que les démons existent. Bien mon père, benzimant que vous voyez, ouais tête moi ouais. Il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas les démons. Jésus a tout. Jésus est mort. Les démons, c'est fini. Hein? Même le péché, même là, c'est... il n'y a plus le péché. Bien, moi, ben quoi avant, Jésus est où? C'est à Tingé. Si on dit, ouais, t'es témoin, mais con. Après, il vient te dire, j'ai rêvé que quelqu'un m'a frappé au front. C'est quoi, parce que, explique-moi, quelqu'un m'a frappé ici, ça fait mal. Hein? Qu'est-ce que tu as? Ne soyez à toi, moi, ma chienne, allez. La réponse est, n'est-ce pas, tu as dit qu'il n'y a pas les démons. Non, oui, c'est le cas. Dis, je proclame que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Pose les mains sur ta tête, dis, je ne serai pas un enfant. Je ne passerai pas ma vie à sucer les bonbons, à porter des petites culottes et des petites jupes. Que mes administrateurs m'ont trompé. Je suis riche. Dieu m'a béni. Mais si je reste ignorant. Je serai pauvre. Si je reste petit. Les hommes vont me tromper. Ils vont voler mes biens. Le premier voleur s'appelle qui? Voilà, Satan. Il va venir voler. Il va envoyer un marabout te dire, je veux te rendre riche. Il va te dire, là où tu me vois là, quand je veux cracher sur toi, tu auras beaucoup d'argent. Pendant ce temps, lui-même
n'a pas de chaussures. Il dit l'argent quand je prie. L'argent va te trouver là. Un autre va te dire, si je lave l'argent, tu auras beaucoup d'argent. Mais j'ai faim. Donne-moi un peu 500 francs là. Il a le secret pour laver l'argent et avoir beaucoup d'argent, mais il n'a pas 500 francs. Je ne serai pas un ignorant. Acclame pour Jésus-Christ. Salut, Jésus. Lis pour nous Jérémie 17, verset 4. Jérémie, il dit nous. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Et frère, écoutez. Anima, c'est une vérité quand nous disons que nous sommes bénis. Là où tu es assis, ta portion d'héritage t'est déjà donnée. Si tu es un frère, même si tu viens de croire, quels sont ceux qui ont donné leur vie ici hier? Si tu étais debout ici hier, lève la main. Tenez-vous debout. Tous ceux qui étaient devant ici, tenez-vous debout. Même si vous êtes jeune converti. Non, restez debout. Même si vous êtes jeune converti. Vous avez déjà l'héritage. Dites amen. Vous avez déjà l'héritage. Dès que quelqu'un croit en Jésus, Jésus lui donne l'héritage. Au ciel, il y a déjà une place que Jésus a préparée pour toi. Sur la terre ici, il a proclamé une bénédiction. Il dit que tu seras une source de bénédiction. Il dit que ton nom sera grand. Il dit que là où tu es là, si quelqu'un te maudit, il sera maudit. Si quelqu'un te bénit, il est béni. Il dit il fera de toi une grande, très grande famille, grande nation. Cette promesse veut que si tu es stérile, tu crois que tu vas accoucher. Abraham n'avait pas d'enfant. Dieu t'a déjà béni. Et il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'ai donné. Écoutez. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Écoute. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné.
Abrabo teni nyirabo nyamia fama oni obatwa o ode ta manière de marcher qu'est-ce qu'il en dit tes désirs ngebe kuloi bon la honi soi tes pensées wangondamo vont t'éloigner de ton héritage obama ekabwa en wajan asseyez-vous s'il vous plaît amatanse anyamamo tes fréquentations menyabo enbe nadi Dieu t'a béni nyamia yeyire oso mais tu marches avec qui And why you to know? Qui est ton ami? What you mean go? Dieu t'a béni. Nyamia yire aso. Mais tu pries avec qui? And why you serve? Dieu t'a béni. Nyamia yire aso. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Aso bo nyamia ko ha eliso. Tu perdras par ta faute. Wa bara bo teni. L'héritage que Dieu t'a. Ajabo nyamia fa si woni. Nyamia ba to oldi. Et tu donneras l'impression Dieu ne t'a pas béni. Mais Dieu m'a dit c'est que ah, ne hiya nyamia yira so ne o. Mais Dieu t'a déjà béni. Ko so nyamia injila ni o ti wodie. Mais là où tu poses tes pieds. Nkabo si o jani. E be so mo dumantie ma wa jani nyamia ba to o dio. Tu perdras pas ta faute. O nyu fu wa bra bote dumanti. Quelque personne prie. E ne mango kumbe jaso. Be sere. Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Mais tu nous mets en garde contre le péché. Tu nous dis que, Seigneur, c'est par notre propre faute que nous pouvons perdre ce que toi-même tu nous as donné. Oh, Seigneur, donne-nous donc de voir le péché comme tu le vois et de nous en éloigner, Seigneur. Tu as dit aussi que si nous restons petits, oh, Seigneur, nous ne pourrons pas entrer dans l'héritage que tu as préparé pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que si nous sommes ignorants, si nous ne savons pas ce que tu as fait pour nous, nous ne pouvons pas entrer dans l'héritage que tu as préparé pour nous, Seigneur. Père, nous te bénissons pour ces révélations, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur, afin que, Seigneur, nous grandissions. Nous crions à toi, Seigneur, afin que nous nous détachions du péché pour marcher dans tes sept voies, pour entrer dans l'héritage que tu as acquis par ton sang précieux pour nous. Que ton nom soit béni éternel. Au nom de Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour la décision prise par toi-même, Seigneur, de nous donner notre héritage. Ô notre Père, ce sont des choses que tu as préparées depuis l'avance, Seigneur. Ce sont des choses que tu as réservées, Seigneur, pour nous. Ô notre Père, notre Dieu. Mais nous avons été victimes de notre ignorance. Nous avons été victimes, Seigneur, de notre manque de progrès. Nous sommes restés petits, si bien que, Seigneur, cet héritage qui était le nôtre, Seigneur, nous a échappé. Seigneur, ce week-end, Seigneur, c'est une grande bénédiction, Seigneur, pour ton peuple. Parce que, Seigneur, tu es descendu, Seigneur, pour nous rendre ce que nous avons négligé. Ô notre Père, notre Dieu, je prie que tu pardonnes, Seigneur. Je prie que tu pardonnes, Seigneur, tous ces égarements, Seigneur. Ces endroits où nous avons posé les pieds et qui ont été cause, Seigneur, de notre perdition. Nous avons perdu notre héritage. Mais yes, Seigneur, ce jour, tu décides de nous bénir, de nous donner notre héritage. Je prie au nom de Jésus-Christ que les écailles tombent de nos yeux. Je prie au nom de Jésus-Christ que les écailles tombent de nos yeux. Que l'ignorance, Seigneur, soit totalement éradiquée, ô notre Père, notre Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance soit reçue par chacun de tes enfants ici présents pour grandir et posséder son héritage, ô notre Père. Je prie que nous voyons à gauche, à droite, devant, derrière, tous les pièges que l'ennemi dresse dans le but de nous faire perdre notre héritage. Fais de nous des vainqueurs, fais de nous des grands, fais de nous, Seigneur, des gens qui ont tout pris, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons toute la gloire, notre Dieu et notre Seigneur. Tu as dit, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien à un esclave.
C'est ce que quelques-uns d'entre nous, nous avons été jusqu'à aujourd'hui. Nous avons méprisé notre héritage. Nous n'avons pas travaillé pour grandir. Nous sommes restés des mangeurs de nido. Seigneur, pardonne. Pardonne, pardonne. Pardonne, Seigneur. Tu nous parles clairement. Nous ne sommes pas des ambitieux en toi. Nous ne sommes pas en train de travailler pour grandir. La preuve, nous avons fui le manque de la lecture de la Bible. Les méditations ne sont plus fréquentes. Même au programme, nous ne sommes plus zélés pour aller au programme. Nos salles d'enseignement sont devenues vides. La formation des disciples est devenue une chose fastidieuse pour nous. Avant, nous courons derrière nos faisais de disciples pour apprendre, pour grandir. Maintenant, on cherche les disciples. Même pour les bâtir, c'est devenu une corvée pour eux. Mais Seigneur, tu nous parles clairement ce week-end pour nous démontrer que si nous refusons de grandir, nous n'aurons pas l'héritage. Les oncles vont manger notre argent. Ils vont prendre les millions pour les mettre en poche et nous, ils nous donner les vélos et les poches, les culottes avec deux poches derrière. Et c'est ce que nous avons jusqu'à maintenant. Nous sortons de là, nous refusons, nous disons non à la paresse. Nous nous engageons à marcher avec toi. Nous nous engageons à grandir. Nous nous engageons à lire la Bible. Nous nous engageons dans les jeunes, comme nous avons vu nos aînés. Nous décidons de sortir de la paresse pour grandir, Seigneur, afin de prendre notre héritage. Merci de nous interpeller et nous disons oui. Nous acceptons à grandir et nous allons comme des grands à partir de ce week-end. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Saint-Dieu, tu es un invité. Atéyafoyenu. Tu es venu. Adjouane. Tu as écouté. Atié. Le Saint-Esprit est là. Amiensunzu wazanzenu obe. Il te dit. Aussi ok you. Donne la vie à Jésus. Fongwa Jésus. La promesse est pour ceux qui croient. L'héritage est pour ceux qui croient. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, c'est que ni Jésus ben lève ta main. Venez me trouver ici. Encore une minute, on commence la prière. Levez les mains. Dis Seigneur Jésus. Je crois. Je crois que tu es le Messie qui devait venir. Je crois que tu es le chemin. Que tu es la vérité. Que tu es la vie. Je crois, je crois. Je crois que je suis en train d'entrer dans l'héritage. Je te fais confiance. Je vais rester avec toi. Je vais t'adorer tous les jours de ma vie. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par le sang. Lave-moi par ton sang. Ton sang qui a coulé à la croix. Ton sang de rédemption. Ton sang de rédemption. Ton sang d'expiation. Ton sang de justification. Seigneur, pose les mains sur ta tête. Je suis venu avec des maladies. Certaines sont cachées, d'autres sont révélées. Que la guérison descende sur moi. Que ta guérison descende sur moi. Au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.